nouvel autocollant, le sésame, pour la journée nationale des véhicules d'époque. Bon, voilà l'itinéraire. Une balade jusqu'à Amiens, centre. Ah, c'est vrai que sa R12, elle est super classe. Il faudrait que j'arrive à me faufiler derrière. Ça aura plus d'effet. Et voilà, comme GG voulait, derrière la R12, TL série 1. Des petites routes, hein, des chemins de traverse. Ah ouais, ça vaut le coup d'œil là. J'ai pris 135 euros. Le gars, je lui dis, bah, tu me mets un comme ça. Il me dit, un paquet. Mais non, je te parle au carton. Bon, bah, dommage qu'une fois encore, que le beau temps ne soit pas au rendez-vous. Mais ça commence vraiment à être fatigant, cette pluie. Ça n'arrête pas. Tous les jours, il y en a. Oh, demi-tour. Y a-t-il eu une erreur d'aiguillage? Nous voici maintenant au belvédère du camp de César. Là, cette fois-ci, on est derrière une bonne vieille traction. Alors, une halte à Corbie de la Somme pour un rassemblement d'anciennes, en plus des nôtres. C'est un flotteur.
1275 GT. C'est vrai que c'est assez rare en cette version, la 1275 GT. L'arrêt fut bref, on est reparti. C'était juste pour faire un petit coucou finalement. Voilà, pause déjeuner dans la banlieue d'Amiens, au comptoir, et j'en profitais pour charger la GoPro. Voici au but ultime de cette petite expédition, Amiens.
Bon, après la cathédrale, une petite balade au quartier Saint-Leu s'impose.